se disait, bon, une fois qu'on leur a donné de l'argent, ça marche bien, mais ce n'est pas suffisant. Certains, on s'apercevait que dans leur projet, il leur manquait une partie communication, d'autres une partie gestion. Et on se disait, bon, on va leur prêter de l'argent public, mais il faut que ça marche, parce qu'il faut d'abord qu'ils nous le rendent. Ce sont des prêts sans intérêt, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils remboursent. Et nous, on avait surtout envie qu'ils réussissent et qu'il manquait ce petit maillon. Et on s'est dit, mais on va les faire parrainer par des grands chefs d'entreprise. Prendre une décision, c'est, quand on est entrepreneur, c'est toujours des moments difficiles, importants, et à plusieurs, c'est toujours un avantage. Donc oui, j'ai eu un peu d'aide, mais parfois des moments de solitude où on se demande voilà, comment on peut faire et est-ce qu'on va y arriver. Voilà, il y a des petits moments de découragement, mais il faut toujours garder l'envie et l'énergie. Donc voilà, s'il y a des moments où cette personne elle sera un petit peu moins bien, ben voilà, si je peux être là pour l'aider, l'épauler, ben, je le ferai. Voilà. C'est dans cet état d'esprit en tout cas que je suis là. Alors, ce qui me motivait à m'engager, c'est l'aspect social et puis l'aspect de vouloir transmettre, vouloir partager mon expérience avec des personnes qui souhaitent entrer dans une nouvelle étape de leur vie, notamment avec les différents volets du métier du repreneur, du métier du créateur, d'être dans cet accompagnement-là.